je pense qu'on peut clairement dire que ce combattant est un expert de la soumission, sans rival pour le moment. Oui, il a compris que le MMA actuel se jouait là-dessus, sur le jujitsu et le grappling. Face à un combattant tel que lui, le plus dur est sans doute de savoir exactement ce qui va se passer, mais de ne rien pouvoir faire. En effet, il est tellement doué et rapide au sol qu'une fois qu'il vous a fait chuter, c'est quasiment la fin. De voir une belle démonstration de striking ici. Sa stratégie est claire, rester debout et transformer ce combat de MMA en un combat de kickboxing. Véritable as de l'esquive et du contre, il est très difficile de toucher ce fighter, et encore plus de lui faire mal. Et en plus d'épuiser son adversaire, ça lui permet de rester frais durant tout le combat. Présentation des deux adversaires du main event de ce soir. 2 ans séparent ces deux combattants, mais ils ont une taille et une allonge quasiment identiques. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux combattants de cet affrontement. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge of the octagon, Herb Dean. And now, this is the moment you've all been waiting for. Live from the sold-out Toyota Center in Houston, Texas, it's time! 5 rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a jiu-jitsu fighter, making his professional debut here tonight. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 155 pounds, fighting out of Paris, France, Goliath. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a kickboxer, making his professional debut here tonight. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 165 pounds. Fighting out of Paris, France, lights out! You've been given your instructions in the dressing room. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will have a clean fight. Touch gloves, let's make it official. On se touche les gants. Ready. Nous sommes à Houston ce soir pour un combat qui s'annonce spectaculaire. Toyota Center à l'image des adversaires dans 3, 2, 1, mise à feu! Ce coup lui a coupé le souffle. Il bloque le takedown. Le coup de pied à la jambe, c'est bien. Ouais. Oh, vous avez vu ça? Soumission! De ce heel hook. Il manque sa cible. Il place un joli low kick. High kick, quelle puissance. Le pied comme ça, ça fait mal. Et il lui colle un puissant coup de coude. Il l'amène au sol. On passe en garde montée ici. Superbe échappée. Il s'est redressé, ça va cogner. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Même sur le dos, il reste actif. On sent son aisance au sol. Triangle.
soumission populaire. C'est bientôt fini, je pense. Il est hors de danger. Ah, il a retrouvé sa base. Place aux dégâts maintenant. Et on passe en full mount. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. De nouveau en full mount. Cinq secondes encore pour ce round. Trente secondes. Étranglement en triangle. Fin du premier round. Et à la tête, parfaitement placé. Revoyons ce superbe coup de genou au corps. Revoyons ce superbe low kick. Deuxième reprise, on y va. Oh, quelle technique, coup de pied à la tête. Une emmenée au sol très puissante après cette saisie de jambe. Bonne transition. Ils sont de retour debout. Ils changent de garde. Et ce coup de pied à la jambe, bien envoyé. Il le touche. Il a littéralement décalqué sur le tapis. Vous savez que ça peut aussi provoquer un chaos avec une telle force. Si ce triangle passe, c'est la fin. Il ajuste sa position. Il est clairement dans son élément. Superbe échappée. Peut-être que c'était juste une glissade. Il change encore de garde. Il est sonné. C'est terminé. Wow. L'arbitre a pris une sage décision en s'interposant pour mettre fin au combat. Son adversaire ne se défendait plus intelligemment. C'était la meilleure solution. Voix au tapis. On voit bien la puissance du kick ici. Voici Bruce Buffer qui va donner la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Gaines called a stop to this contest at 2 minutes, 15 seconds of round number 2. Declaring the winner by knockout.